Bonjour, mon nom est Léa Gariepi, je travaille chez IA Groupe Financier aux ressources humaines. Une de mes résolutions en 2020, c'était de changer mon introduction quand je fais des Facebook Live. Alors voilà, c'est fait. Vous l'aurez deviné, le sujet de cette capsule, c'est les résolutions. Les résolutions qu'on prend en lien avec notre vie professionnelle. Je vais vous parler principalement de deux résolutions. La première résolution, c'est d'être heureux à nouveau au travail. C'est important d'être heureux dans notre poste, dans ce qu'on fait. Donc, cette résolution-là, c'est important de bien poser les pour et les contre, de bien regarder les tâches que vous aimez encore faire et les tâches que vous n'aimez plus faire. C'est comme ça que vous allez être capable de voir qu'est-ce qui vous rend encore heureux et qu'est-ce qui ne vous rend plus heureux. Par la suite, un de mes conseils pour cette résolution-là, c'est d'aller avoir une conversation avec votre patron, avec votre supérieur immédiat. C'est la meilleure personne pour vous aider à être heureux à nouveau dans votre poste. Donc, cette conversation-là est très importante pour réaliser cette résolution-là. La deuxième résolution qu'on prend souvent dans un poste, c'est de changer de job. Le fameux changer d'emploi, plusieurs personnes prennent cette résolution-là. Encore là, c'est une résolution qui est importante de bien réfléchir, de peser encore là les pour et les contre de changer d'emploi. C'est un gros changement de changer d'emploi dans une vie, donc je vous invite à vraiment faire le tour de la question. Si vous décidez de changer d'emploi après avoir bien réfléchi, une des premières étapes, c'est de regarder les autres compagnies pour lesquelles vous aimeriez travailler, de regarder leurs valeurs, voir si elles correspondent aux vôtres. Également, de bien vous informer sur les postes dans ces compagnies-là pour vous assurer que le poste que vous regardez et sur lequel vous appliquez va vraiment vous rendre heureux. Donc, posez des questions, informez-vous sur le poste et sur la compagnie pour vous assurer de ne pas changer simplement pour changer. En résumé, peu importe les résolutions professionnelles que vous prenez, c'est important de bien les réfléchir et de ne pas prendre des décisions hâtives. Et si vous décidez en 2020 de changer d'emploi, je vous conseille de regarder notre site carrière oia.ca/emploi. Et d'ici là, je vous souhaite un bon début d'année 2020.